Salut à toi mon cher YouTube, nouveau tournoi, on enchaîne hein, si t'as vu les vidéos du Brunol, on continue de la même journée, c'est une heure après, à tout casser, et on enchaîne sur un second tournoi, Waffle Tournament, on en a déjà fait, on a déjà participé à ce tournoi, on a raid un petit peu ce tournoi avec la communauté, il y a 4-5 personnes du chat qui sont aussi présents sur le tournoi, on va suivre les pertes, d'ailleurs il y a déjà un clash entre Keops et NK dès le premier tour, deux viewers qui s'affrontent, on va suivre un petit peu les pertes de tout le monde, on va voir comment ça va se passer. Ça va être exceptionnel alors que ma chérie m'apporte son fleur Lego qu'elle vient de finir qui est très beau. Joli. J'aime bien. Très stylé. J'ai mon match qui commence du coup, je vais pas montrer mais merci de m'avoir montré ça. Ouais, bah oui. Mais... Elle m'a montré ça et après elle m'a dit tiens c'est marrant t'as beaucoup de sueur sous tes bras, fais quelque chose. J'ai fait ouais. Et voilà. Fin du drame. Ok, Pete du coup. Pete blond, passage. J'adore ses faces sur le côté, je fais de plus en plus là. Ok. Attendez pas à ça. Bien joué en fait la reco. En vrai, elle était bien. Il a pas roll, c'est bien. Je teste, hein. C'est le premier stock. Ok. Maintenant, faut trouver un kill. Voilà. Une stock pour qu'on se mette bien dans le match. Et après, on aura plus qu'à souffler un coup. J'essaie de voir un peu ce qu'il fait quand je suis en l'air. Il bouge pas beaucoup. En fait, il m'attend. Et il a raison. Parce que je viens pas. Même si j'ai l'avantage. Donc, en vrai, je pourrais lui dire bah, ok, tu viens pas, je viens pas non plus. Là vous voyez ça lag pas, alors qu'on a eu des gros problèmes de lag tout à l'heure, je comprends vraiment pas. Franchement je sais pas si c'est ma co, je sais pas si c'est le jeu, je sais pas si c'est compatibilité de co. Mais vraiment c'est fatigant, dommage la bombe il l'a pas respecté alors que celui qui l'envoie. Ok. Bon là faut retrouver un stock rapidement là. Parce que là il va me monter, ok ça forcément. Ok, prends ses distances, c'est bien. Je dis que c'était fluide le jeu, reste fluide. Nice. J'aboue moins que Smash. C'est un truc que je faisais beaucoup quand je jouais à Smash 4. Je fais pas beaucoup sur le jeu. En vrai, c'est toujours aussi fort. Hein. Moi j'ai pris... Il m'a beaucoup remonté. On va essayer de se poser sur le match, se concentrer. Ou je suis mort. Ouais, ok. Dommage, il a trop précipité. La bombe c'est que pour cover, hein. Il va roll. Ok. Ça pas... Attends, what the fuck? J'étais pas en dessous pourtant. Ok. Là, il va précipiter. Dès qu'il est en avantage, il se précipite un peu trop, malheureusement. Donc faut que j'essaie d'optimiser ça. En fait, il est très patient. Mais dès qu'il prend une ouverture, il va... Hop là. Dès qu'il prend une ouverture, il est trop précipité. Ok. Bon, j'ai du mal à le kill, hein. Ok, on surprend, upper, bon timing. Il avait plus de saut, c'est ce qu'il fallait. Ah, dommage. Non, c'est pas moi de venir techniquement. Juste faire ça. Hein. Si tu veux pas venir, j'ai une stock d'avance. Hein, donc moi j'ai pas de problème avec ça. Hein. On va le forcer à venir. Hein. C'est pas moi de venir. Hein. Il a pas l'air de vouloir beaucoup venir en fait. Il n'est pas un bon plan face à moi parce que bah, je suis à l'avantage en fait à distance. Hein, du match-up.
tout simplement. Du coup, il perd un peu patience là, c'est bien pour moi. On trouve une ouverture, on bloque là. On va sur la bombe, dommage, un peu trop tard. En vrai, j'ai pas à venir, il reste 2-30. J'ai deux stocks. Là, c'est un peu greedy de ma part, il va être trop. Et ça tue. Ok, 2-10. En vrai, normalement, je devrais finir le match, hein, mais attention, j'ai qu'une stock quand même. Ah merde. Oh, bah ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Ok. Dommage, dommage, dommage. Alors, qu'est-ce qu'on va ban ? Smashville. Il aime bien rester à distance, en fait. Donc, il faut que je puisse l'accéder facilement à lui. Donc, on va enlever... C'est quoi comme map sur ce truc ? Ok. On va enlever quoi ? Lailat. Ah, j'ai que deux bans. Ah oui, c'est vrai. Quel enfer, ça. Pas fan de ce rule set dans ce sens-là, mais ils sont ok. Est-ce qu'il y a eu des scores un petit peu? Pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'y a pas eu de score. Comme quoi, les viewers Kiops gagnent 1-0 actuellement face à MK. Nino, il est où? Je cherche un peu. Hein. Nino gagne 1-0 face à Silo, nice. Et Jojo Pikmin perd contre Bisk, 1-0, attention. Tout de même, à ne pas se faire avoir. On va aller sur Yoshi Story pour la prochaine game, les amis. Alors c'est très bien pour moi, parce que vous savez que c'est une map sur laquelle je suis à l'aise maintenant. Donc on prend ce plaisir. Il va prendre Pic Maléfique, changement de perso, quasiment la même. Et on est parti pour la deuxième game les amis. Ok, alors là, on va essayer de faire le même plan en fait. S'il vient pas, ce qu'il faut c'est que je garde le même plan. Je prends un petit peu d'avance. Et voilà, on enchaîne. Les combos sont plus simples sur cette map. Hein. Je pense que 87% c'est très bon. Ok, 115, c'est cool. Marrant. Et je prends une première phase. Pas abusé. Ne gridons pas. Agressif, mais forcément c'est prioritaire ce truc. Par contre, faire gaffe. Ok, il a roll out. On note l'info. Ah, dommage. Mal placé ma bombe. Ouf. Oh, le landing qu'on va aller choper, 36% c'est bon. Bon, 43, excuse-moi, j'ai mal lu. Non, je ne me suis pas mis des dégâts tout seul. Ne montez pas. Si on meurt de peu sur un coup, ce sera de ma faute par contre, c'est un peu chiant. Waouh. Cette phase était bien encore une fois. Je vous avais dit, à low pourcent, j'ai de plus en plus de phases en edge guard. Ok, ça tue. Par contre, ça, faut que je fasse gaffe. Après, ça va à 98%. Mais quand même, une stock perdue un peu early. On peut aller vite, hein. Oh, ce niveau exceptionnel, pour faire ça. Oh, ce niveau jonglage avec les bombes. On se régale de ouf. Hein. J'ai pris la stock là tellement bien. Et là, on peut commencer à gratter cette stock. Forcément, il a du retard, il est moins patient. Et nous, on n'a plus qu'à dérouler le jeu pour l'instant.
Ok, marrant. Ah, dommage. Bien joué de sa part, en vrai. T'as tué ça? Ok, on va cover. Parfait! 2 stocks et 2-0 pour cette première game, les amis. On se met plutôt bien pour ce start. Let's go. Let's go, let's go, les amis. Allez, on est parti, deuxième match face à Argonaut. Un Fox, le match-up va être difficile pour nous. On part sur PS2, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut rester en winner side? Si on l'emporte, alors il est seed 8, je suis seed 9. Si on l'emporte, on joue contre le seed 1 juste après un winner quarter, forcément. Donc est-ce mieux? Je ne sais pas. Peut-être pour le seeding en loser, hein, juste. Mais... parce que le seed 1, ce qu'on m'a dit, on rigole pas trop. Hein. On verra si on l'affronte. Hein. Pour l'instant, en tout cas, ça se passe bien, vu le game. On a mis des pourcents. Il faut s'attendre qu'il fasse des erreurs. Là. Ok. Oh, le petit freeze, on l'a vu. Hein. On l'a kiffé, le petit freeze. Enfin, vous l'avez kiffé chez vous aussi. Ok. Il edge card pas. Hein. Ok, ça c'est pas mal qu'il ait fait un petit coup avant, on a pu punir. Ok, on a double deux up smash. Ça a clank. Mon pied clank avec son épée. Avec mon épée. Pardon. Bon, Fox, le problème c'est de l'approcher. C'est que lui m'approche comme il veut, mais moi je peux pas vraiment l'approcher quoi. C'est pas mal. Heureusement il est léger. Donc à tuer c'est assez simple. Enfin ça dépend. Mais on trouve des trucs rapidement quand même. Alors, ce F-Tilt hein, qu'a tué quand même très tôt. Argonaut, ouais. Compliqué à la prochaine, ouais. C'est marrant ce qui s'est passé, il a bien mâché. Ouais, forcément. Pour l'instant, c'est plutôt even ce match. Hein. Putain. Quoi? Enfin, il roll, il tape, je roll si je passe devant. En ligne. C'est deux fois que je tue au F-Tilt. Intéressant.
Pourquoi j'y vais? Pourquoi j'y vais? C'est ma faute, j'ai voulu le taper. Je sais pas pourquoi j'ai autant forcé cette situation. Tiens, un petit point viewer entre cet intermatch. C'est quoi? Du coup, on rappelle Kiops qui a battu AMK, deux viewers en winner. Ça gagne 1-0 face à Gou. Kazaru au round 2 pour Kiops. Je regarde un petit peu les autres matchs. Nino a gagné 2-0 face à Seilo. GG à lui, je contre Astro SG. Très bon joueur. Et Bisque qui a battu Jojo Pikmin aussi. Hein. Ça, c'est surprenant. Jojo Pikmin qui s'est fait avoir par Bisque. Dommage, bon courage en loser pour MK et Jojo Pikmin. Beaucoup de viewers qui participent à ce tournoi, ça fait plaisir de participer tous ensemble à ce petit événement. On suit un petit peu les performances de tout le monde pendant ce live, bien sûr. Pour toi aussi, YouTube. Hein. Si tu veux participer, n'hésite pas à venir en live participer au tournoi. Des fois, on prend le live un peu avant, on s'inscrit tous ensemble. Même sur Discord, des fois, je vous préviens un peu avant, je dis je vais faire ce tournoi, les gars, si vous voulez venir faire le tournoi ensemble. On essaie de s'organiser, mais le même tag ensemble, à la limite, des choses comme ça. On essaye d'organiser comme ça sur le long terme. Pourquoi pas aller chercher des compétitions ensemble et des performances des top 8 ensemble. La Ban Smashville et Yoshi Story de son côté, c'est marrant. On va aller sur Battlefield, je pense. Je sais que c'est pas le meilleur choix de ma vie, mais contre un Fox, vous allez me dire. Mais vous savez que moi, Battlefield, j'ai une aisance. Et vu qu'il est un peu agressif, je pense qu'il faut le faire tourner un petit peu. J'ai win mon premier match loser, il a des culs. Bravo, Blood. Bravo. Au moins, t'as gagné. Ok. Ok. Il est très à l'aise, le Fox. Hein. Matchup. Hein. Comme d'hab, je déteste. Pas des matchups, mais ce matchup est trop dur en fait. Déjà, je déteste, mais il est vraiment pas à l'avantage de tout le ligne, quoi. Il peut contrer mes projectiles. Hein. Il a un shine pour. Et surtout, il a des déplacements que je peux pas vraiment contrer. Fast follower, très rapide au sol. C'est mon aisance le sol et je le suis pas trop face à Fox. Ouh, pardon. Winner round 3, let's go Kiops. Let's go. Il va être plus dur pour moi, je pense. Argonaut est un petit peu dessus pour l'instant sur le match. C'est pas mal, ça va pas tuer malheureusement. Eh ben. Ok, on a pu finir cet aérial, un peu trop laggy, de stock partout. Objectif, surprendre et casser mon jeu, hein. Bien sûr. Pas facile de casser mon rythme. Lui trouve une voiture très facilement avec ce perso contre moi. Et 0,1% d'écart. Ok. Ok. Belle dodge, upbeat derrière, on tue.
On prend l'avantage dans cette game 2. Faut gratter des pourcents maintenant. Le F smash était un peu greedy de sa part. Oh non! C'est dommage ça. Oh! Je suis en train de donner des conseils à Mac, sur Mac à mon adversaire. C'est gentil. Il faut. Il faut le faire après le match quoi. Mais. Quoi? Ah! Oh. Je suis dégoûté. Aïe. Non, quel dommage. Les amis, si tu veux savoir la suite des aventures, connaître les performances des joueurs du stream, des joueurs du chat, puisqu'on est plusieurs, on est je crois 5 à participer à ce tournoi en comptant moi, n'hésite pas à suivre la prochaine vidéo qui parlera du loser bracket, mon histoire en loser bracket, mais aussi l'histoire des viewers. On suivra un petit peu les performances de tout le monde. Malheureusement, Argonaut nous a eu et on s'est fait avoir par cette dodge. Dommage. Des bisous YouTube. Je disais j'ai à mon adversaire pour la suite, bien sûr. Bisous.